Monsieur Viguier partira de Lyon en France et traversera la moitié des Alpes. Il passera par Chamonix, un beau village alpin. Ensuite, notre professeur arrivera devant le Mont Blanc. Et de l'autre côté se dresse le fameux pays des Lazzare, l'Italie. Jean-Claude traversera l'Italie par le nord. Ensuite, il traversera le pays des lacs et des châteaux, la Slovénie. Il arrivera en Hongrie, pays du Danube, dont la capitale est Budapest. Après la Hongrie, se dresse la merveilleuse, la belle, la grande Roumanie. Ça sonne bien avec Romain d'ailleurs. Après la Roumanie, Monsieur Viguier a deux choix possibles. Soit il passe par la Turquie et ses mosquées, l'Iran et ses excellents kebabs, et l'Afghanistan et ses déserts de cailloux. Ou soit par l'Ukraine et ses pépites d'or, la Russie et son blizzard, et le Kazakhstan et ses montagnes. Les deux chemins mènent en Chine. En Chine, notre professeur peut passer par le sud ou par le nord pour arriver à Canton. C'est à croire que tous les chemins mènent à Canton. Il a 3 mois pour parcourir 12 000 km sous des climats montagnards, continentaux, plus ou moins difficiles. Les élèves ont rajouté des panneaux solaires, des armatures en fer, des appareils électroniques, à un moteur sur le vélo couché. Il a fallu 7000 euros et 18 mois pour réaliser le vélo solaire. Maintenant, avec cette belle réalisation des collégiens rabastinois, ils ont conçu et construit un vélo solaire en cours de technologie. L'idée paraissait folle et pourtant, elle roule. Corinne Carrière, Véronique Galli. Regardez bien. Ouais. Alors, la batterie, on voit qu'elle est bien chargée. Le système photovoltaïque est bien raccordé. Le vélo électro-solaire est prêt à rouler. Une innovation imaginée par plus de 120 élèves en classe de 4e. Ils ont porté ce projet de A à Z, de la recherche de financement à l'assemblage du tricycle. Hier même, on l'a essayé et j'étais super fière. Enfin, ça fait du bien, quoi. Tout ce qu'on a fait, ça sert pas à rien. On a fait ça quand même. Un projet pédagogique audacieux et unique en France. Objectif, sensibiliser ses collégiens au développement durable. Le collège a participé à un concours. C'est génial. Le vélo solaire que les élèves ont présenté a terminé 2e du concours. Madame Bernard, rectrice de l'Académie de Toulouse, soutient notre projet. Pour suivre Monsieur Viguier, nous avons besoin d'un téléphone satellite GPS pour pouvoir communiquer avec lui et pour appeler les secours si besoin. D'un abonnement téléphonique pour utiliser le téléphone. D'une caméra pour partager ce beau voyage. D'un disque dur pour stocker les images et les récits de cette aventure. Monsieur Viguier, bonne aventure et bonne chance. J'espère que tout va bien aller et aussi qu'on va récupérer beaucoup d'argent. J'espère que vous ne tomberez pas et puis aussi faites attention à vous et puis buvez beaucoup s'il fait chaud. Vous allez de Lyon à Canton, alors vous êtes
courageux. Au revoir. Monsieur Viguier, je vous souhaite bonne chance. Essayez de revenir assez tôt pour les cours et d'être le meilleur professeur du monde. Restez prudent. Bon voyage. J'espère qu'on va gagner beaucoup d'argent et qu'on va vous profiter d'un bon de ce voyage merveilleux au bout du monde. Et vous êtes un de mes profs préférés et ramenez-nous plein d'images de ces pays.